Salut à tous les amis, je suis Gultur Barbefer et je suis super content et très excité à l'idée de vous présenter cette nouvelle série de vidéos. Vous avez lu le titre, les vieux jeux, c'est mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette nouvelle série, Gultur? Je vais vous expliquer. Donc il y a quelques petits trucs à expliquer, donc préparez le popcorn. Installez-vous bien, non, ça va aller vite, vous inquiétez pas, on en a pour 2 minutes maximum et après on va pouvoir voir ce jeu-là. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? C'est un petit concept qui m'a été inspiré par quelqu'un que j'apprécie beaucoup il y a un bon paquet de temps et que du coup j'ai rajouté un petit peu ma patte et essayé de creuser un peu plus l'idée. C'est un concept que j'avais déjà depuis un petit moment, hein, ça fait longtemps que j'essaye de trouver un truc intéressant si possible et qui change à faire sur la chaîne et en plus de ça qui permet de vous faire participer, et je pense que j'ai trouvé un truc cool. Donc pour expliquer qu'est-ce que c'est que les jeux, c'est mystérieux. En gros, je vais jouer à des jeux auxquels je n'ai jamais touché. Parce que sur la chaîne, hein, il y a les Play for Fun, mais les Play for Fun, ce sont des jeux que je connais déjà, que je vous présente en vous disant, voilà, ça c'est un jeu génialissime, jouez-y. Là non, on va tester des jeux complètement aléatoirement. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez en fond là, je le découvre avec vous. Hein. J'ai jamais vu une image du jeu, j'ai pris complètement au pif. Donc, on va tester plein de jeux, des jeux qui datent d'au moins 10 ans, c'est-à-dire de 1974, 32X, jusqu'à après Mega Drive, Game Boy, Master System, PlayStation 1, PlayStation 2, enfin voilà. On va vraiment couvrir hein, presque 50 ans, enfin 40 ans de jeux vidéo, en testant complètement à l'arrache, et on va noter ces jeux. C'est-à-dire que là, je vais les tester, donc soit des fois je vais rager, hein, soit je vais passer un bon moment, ça dépend, mais là je pense que je vais rager, vu je vois ce qui se passe en démo, ça a l'air d'être bien chiant. Mais bref, donc je vais noter le jeu de mon côté, je vais dire voilà, moi le jeu je trouve qu'il vaut, je sais pas, 75 sur 100, parce qu'on va noter sur 100 histoire d'avoir une bonne petite marge. Et vous, ce que j'aimerais aussi, ce qui serait vraiment bien, c'est que vous aussi, en commentaire, vous notiez le jeu, vous donnez votre avis. Et en gros, ce qui va se passer tous les certains nombres de vidéos, c'est que je vais prendre la moyenne de tous vos avis. Je vais prendre la moyenne de moi, enfin je vais prendre mes avis à moi, et on va comparer. Et on va faire une espèce de podium. Un peu si vous voulez comme la note comme sur jeuxvideo.com, quand vous allez regarder un jeu, il y a la note de comment s'appelle, du testeur, et la note des lecteurs. Et bien c'est un peu pareil, c'est le rédacteur et lecteurs. C'est exactement le même principe, sauf que là, comme ça on va essayer de trouver le jeu, le pire jeu qui existe, ou alors le meilleur jeu qui existe. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que du coup l'espace de commentaires pourrait devenir... J'aimerais bien, en gros, que ça devienne un petit endroit où les gens pourraient débattre sur les jeux vidéo de manière constructive, hein, et pas vous foutre sur la gueule en mode « Ouais, c'est nul la chiette !» Non, non, essayez de donner des avis, relever certains points que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés, tout ça, et en débattre tranquillement. Et comme ça, voilà, on partirait à la recherche des jeux, les meilleurs jeux ou les jeux les plus pourris. Et ce qui est bien aussi dans tout ça, c'est que ce sera une full découverte. Vous pourrez trouver des jeux qui pourraient vous intéresser. Et pareil pour moi aussi, hein, si ce jeu est super bien, par exemple Athéna, là, 1986, hein, on commence déjà il y a un petit moment, on pourrait pareil faire voilà, des séries dessus, enfin bref, peu importe. Le but, voilà, tester des jeux, les noter, voir ce que vous en pensez, faire une moyenne de tous vos avis, de vos notes, et faire un petit podium avec voilà, quels sont les meilleurs jeux, quels sont les pires jeux, et je pense que ça peut être sympa comme principe. Voilà, en gros c'est ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je pense que ça peut être un truc vraiment cool, ça change complètement des vidéos que je fais que je connais par cœur, hein, les jeux que je vous présente, avec le WoW, les WoW, les RPG, les Mass Effect et tout ça, des jeux auxquels j'ai déjà joué, donc c'est voilà, même si je redécouvre on va dire Mass Effect, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, mais bref, là au moins, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est parti, allez, on a assez parlé, ça fait 4 minutes que ça dure, let's go! Attendez, parce qu'il faut que je trouve les touches aussi. Ok, c'est bon. Alors. On rentre à travers une porte. On tombe dans le vide. World of the Forest. Ok, alors je peux sauter. Et je peux... Oh, je peux donner des kicks. C'est ma vie, là, gauche? D'accord. Bon. What the fuck? Alors, c'est un jeu arcade. C'est un jeu... Oh, putain, mais cassez-vous. C'est un jeu... sur lesquels, normalement, tu claquais tout ton pognon. Oh, je me fais démonter. Vous pouvez pas ramasser... Ah oui, on peut ramasser les armes. Ah, en ramassant les armes, j'ai... Non. Oh,
je me fais exploser la gueule. Alors désolé, hein. Ça, alors oui, voilà. Il va y avoir des jeux sur lesquels je vais me faire roxer le fion, hein, ça c'est sûr et certain. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va couvrir plein de types de jeux. Là, ça, c'est un petit jeu de plateforme aventure, on va dire. J'ai vu que j'avais pris des jeux de sport, des jeux de comment s'appelle, de course, d'aventure, RPG, enfin de tout quoi. Donc vraiment, on va tester vraiment de tout. Il y a même certains jeux, bon je le dis pas, mais il y a des noms qui sont un peu... un peu, voilà. Bref. Mais on risque de se faire casser le cul. Merde, ça donne de la vie, ça. Des cœurs. Non, donne les cœurs. Fuck. Alors, j'ai vu sur la vidéo, sur la démo, qu'on pouvait passer là, péter les trucs pour récupérer une armure. Alors ça, c'est bien déjà. On peut récupérer... Ah, l'armure donne du power, j'imagine, strength. Donc on a la force... L'arme, les dégâts de l'arme, j'imagine. Et l'armure. On peut péter le truc. L'armure, les. Comment ça s'appelle ? Les. Qu'est-ce que ça fait ? Ça, c'est trop fort, ça. Ça a l'air trop bien, ce truc. L'allonge que ça. Et. Comment ça s'appelle ? Et l'armure, donc la protection, j'imagine. Pour pas prendre des dégâts dans sa gueule. Haha ! Ah, ça donne des cœurs, nice. Ok. Donc, oui, on va mourir souvent, hein. Vous inquiétez pas. C'est normal, hein. C'est le temps d'apprendre, je rappelle que les jeux d'arcade, c'était fait pour que tu claques ton RSA dedans. Hein. Quand ce bruit de l'enfer, tu me vois taper toi à travers le... Non. Non. Ouf. Un arc. Oh non, l'arc c'est moins fort. Oh merde, comment je fais pour passer là? Ok. Faut se baisser pour tirer. Non! Cassez-vous! Vous ne mourrez jamais vivant! Il arrive à me taper en l'air. Non! Mais c'est quoi ces... C'est une Gatling, c'est pas un archer! Putain de merde. Bon. Allez, on y retourne. On a compris comment ça marchait. On récupère des armes, des armes. Qu'est-ce que je fous là? Ah, y'a un checkpoint? Ah! Merde. Je suis tombé là où il fallait pas, je crois, non? Et je peux pas casser les. Parce que j'ai pas le casque. Donc il faut le casque. Calmez-vous! Je sais pas à quoi sert le pognon, je sais pas si c'est juste un score. Ah putain, mais on a un temps! Il reste 4 minutes 30. What? Non mais. Non mais stop! Putain, mais j'ai pas de vie, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armure, j'ai rien! Oh merde. D'accord, bon, l'épée casse pas les briques. Sans jeu de mots. Mais c'est quoi cet archer complètement possédé? Oh non, game over. Bon. Allez, on recommence. On recommence, on recommence. En fait, elle perd sa robe en tombant. C'est bien ce que j'ai vu. Tiens, des high kicks dans ta gueule. Je maîtrise l'art secret. Des savates dans la tronche. Donne-moi le marteau. Si j'avais un marteau, je te l'éclaterais sur la gueule. Alors, on va tracer. Ça, c'est de la vie, on s'en fout. Viens là, viens. Tiens, voilà. Je te refais le cuir chevelu. Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est des bottes qui permettent de sauter haut, non? Bizarre, ça saute pas tout le temps haut. J'ai pas compris comment ça. Putain. Putain, mais des dégâts! Chaque petite merde m'enlève 2 points de vie, quoi. Toi, tu donnes des cœurs, toi. Des cœurs, les cœurs. Non, c'est sauté. Oh oh! J'ai tout ramassé! Bon, ça, on m'a dit. Ça, c'est trop fort, ça. Ah, il faut pas que je ramasse. L'épée. L'épée, c'est nul. C'est nul à chier, l'épée. Ah, mais y'a un passage là! Attends. Mais what the fuck! Mais qu'est-ce que. Je sens que cette série de jeux va vraiment me faire péter un câble! Bordel de merde! Bon, faut pas descendre. Je crois que ça, on a bien compris. Marteau! Matin! Putain, on peut pas. Oh putain. Donne-moi le marteau. Donne-moi le marteau. Voilà. On passe à 3 de power. Bon, ces bottes, je sais pas trop, hein. Ça nous permet de sauter haut, mais pas tout le temps, je comprends pas trop. Toi, ta gueule.
commence à prendre le coup. De toute façon, c'est ça, hein, les jeux d'arcade, c'était complètement ça. Hein, c'était en mode, voilà, tu tryhardes comme un bourrin, tu claques 800 euros pour faire des continues. Il n'y a pas un truc là, ouais, voilà une blague. Comment on active ça? Faudrait que je trouve la touche. Je sais pas si ça s'active d'ailleurs. Faut pas descendre, on a dit. Non mais calmez-vous bien le cul là, oh. Ah ah! La passage. Oh. Casse-toi pas. Ah, ça clignote là où on peut choper des objets. Non, on peut pas. Non mais. Je vais aller là-bas, sois pas con. On peut pas taper en bas? Une potion. Ça sert à quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Faites ça. Ouais. Fameuse hitbox. Tout le monde se suicide. C'est vous, monsieur? Merci. Allez. Faut faire gaffe à cet enculé là. Mais putain de. Bon, là on a la masse. Ça devrait bien se passer. Ah, mais faut. Oui, il faut pas que je ramasse. Faut faire très attention à ne pas ramasser les armes de ces cons là. Il y a un truc là. Ah, un bouclier bleu. Pardon? Mais. What? Putain de merde. Bon, apparemment. Bien si. Non mais. Non mais non mais. Mais ouais mais. Bon apparemment il y a un système de. De dégâts dans le dos, j'ai envie de dire. Non mais. Mais comment tu veux éviter ça? Comment tu veux éviter ça? Non mais je veux pas recommencer là, je veux retourner là où j'étais tout à l'heure. Allez salut hein. Putain, mais il me reste que 4 trucs de vie quoi. Et je suis obligé de mettre des high kicks pour essayer de combattre ces. Hey, speedrun. D'accord. Ou pas speedrun. Bon, et que je crève là et qu'on recommence au truc parce que voilà, allez. Salut, ouais, c'est ça ta gueule. Bon, ça va être une plaie, je crois, cette histoire. Hein. Bon, au niveau difficulté, je pense que ouais, je pense qu'on est bien là. Les gens disent qu'après Dark Souls, c'est dur. Putain, je t'en foutrais, moi. Dark Souls, c'est possible au moins. Non, mais. Ah, mais cassez-vous les slimes! La ville là. Ouais, voilà. Les cœurs, donne-moi les cœurs. Faut se battre pour les cœurs ici. Eh bien, tiens. Bon, en tout cas, bon, je suis en train de rager parce que le jeu est hyper rageant, on va pas se mentir. Mais faut que. Voilà, je t'attendais qu'il sorte. Hein. Mais faut quand même avouer que les musiques sont super cool. Les graphismes sont vraiment bien aussi. Et le gameplay est vraiment sympa, hein. Sans déconner. À part, bon, le fait que voilà, on se fasse poutrer la gueule par quelqu'un. Mais le fait de changer d'arme. Je rappelle que ce jeu est de 86, hein. Donc, bon, il a 2 ans plus que moi, quoi. Donc, le fait de changer d'arme, de trouver de l'équipement et tout, ça a l'air complètement fou. Ça a l'air juste complètement fou comme type de. Je sais pas comment on utilise ces merdes là, mais. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, j'ai essayé un peu, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, oh. Non mais salut. Ah oui, ça c'est la vie max. La vie max. Ah ah. Descends, viens là. Non, tu vas. Ok. Bon. Ah, on peut aller là au pire. C'est trop fort le boulet, sans déconner. C'est vraiment trop fort. Sauf pour taper des putains d'archers, mais. Haha! Dans ta gueule, Jean-Philippe! Non! Y'a rien là? C'est vrai que j'ai pas. Oh! Un meilleur casque. On va péter un peu tout. C'est vrai que je pète pas tout. Je pète pas assez tout. Ouais, mais on va pas descendre, ça pue maintenant. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a où. Qu'est-ce que c'est? Ah, une meilleure armure! Eh, on commence à être bien là! Non mais vous savez quoi, je suis pas intéressé par ce que vous vendez, monsieur.
Attends, mais c'est le rendez-vous tout à l'heure en fait là. Ah oui. Attends, non, ça. C'est quoi ça? Oh non! Le. Comment ça s'appelle? La main, ça t'enlève un niveau d'arme. Allez, descendez tous là. Bon, par contre, en armure, on est pas mal. Je dis pas mal, hein, parce que quand on voit les dégâts que je prends, on se demande si j'ai une armure, quoi. Bah, cassez-vous là. Alors, il y a un autre truc aussi. Les. Il m'a poussé. Ah, on peut sortir. Attends, toi. Mais non, pas toi. Je veux l'autre là. Mais les archers! Tiens, dans ta gueule. Ah, c'est bien l'arc, peut-être aussi, oui. Ah oui, mais pour les archers, c'est trop bien ça! Non, mais stop! Oh, il me reste un PV! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi que c'est de la vie. Mais touche-le! Oui. Non! Non! Mais saute! Oh putain de ta race! Oh! Ça va être dur de jouer ce jeu. Donc oui, je disais niveau durée de temps de jeu, hein, il y a des vidéos qui seront très courtes, parce qu'on aura fait le tour du jeu en 2 secondes. Et il y en a d'autres où ça sera plus long, hein, en fonction des jeux. Je prends un exemple, mais les vidéos RPG, parce qu'on peut pas tester un RPG en 2 secondes, il est fort probable que je fasse plusieurs parties. Celui-là, ça m'étonnerait, on va pas se mentir. Mais je peux... Ah oui, mais je peux plus sauter haut. Oh non, mais je vais crever en boucle. Mais oui, mais... Ça y est, je commence à péter un câble. Oh, mais c'est fatigant, là. Les archers sont pétés, hein. Bon, il n'y a pas que les archers, mais... Oh, merde, et je remeurs. Bon, j'aimerais bien au moins aller jusqu'au premier boss, quand même, pour voir comment ça se passe. Putain. Putain, ce jeu imbitable. Oh, mais non, mais j'ai pris un coup parce que j'étais en train de ramasser, là. Donne-moi les cœurs, toi. Voilà. Donc les bottes, hyper utile, hein, même indispensable, j'ai envie de dire. Mais c'est un truc de dingue parce que si tu meurs, en fait, c'est mieux de tout recommencer, quoi. Des cœurs, des cœurs. Yes. C'est mieux de tout recommencer parce que du coup, comme t'es pas équipé, ça me rappelle Volgar, c'est ça, le Viking, là, le jeu sur lequel tout le monde s'est, ouf, s'est arraché les cheveux pendant un moment, là. Ouais, c'est ça, Volgar the Viking, je crois. Quand tu mourais, tu reprenais au checkpoint, puis t'étais un peu marrant parce que t'avais plus tes armures et tout ça améliorées. Mais c'est un peu le même, mais c'est complètement le même principe d'ailleurs, tant que je suis en train d'y penser là. Merde, la vie max, je peux aller la récupérer. Yes. Oh, mais non. Oh, jeu de merde. On s'en prend. Ah, je dis ça en prend. Ça en prend pas, j'ai failli le prendre. Allez, disparaît. Disparaît. Ok. Ça c'est bien ça, j'ai cru comprendre. Ça, ça se passe au pôle de Fion. Hein. Mais qui? Ouais. Oh, mais je les ramasse pas, quoi. Toi, par contre. Ah, dégage. Vous êtes combien, là? Une armure. Ah oui, j'avais pas d'armure, en plus. Faut que je fasse gaffe, quand même. Non! Oh non, mais... Il va falloir être rapide, hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Non, non, mais non, non! Ah, oh, le knockback de merde! Non, mais ce jeu, je vais pas pouvoir le tester en fait jusqu'au bout. Tiens, dans ta gueule, toi. On va pas donner son arc. Moi, je vais prendre l'épée, hein, bon, j'en suis. Ouais, mais là, on repart dans l'endroit où c'est super cher. En fait, je pense qu'il faut faire, c'est farmer pour avoir une arme ici. Voilà. Au moins avoir une arme cool avant de se friter avec l'archer.
toucher l'archer. Il casse les couilles. Eh oui, mais j'ai plus les bottes. Eh oui. Non mais... Mais putain, mais c'est pas possible de se faire one shot. C'est quoi ce jeu de merde? Putain, j'en ai marre. Je suis en train de se... Putain, mais... putain, mais quelle idée de faire une série comme ça sur des jeux, putain. Je pense qu'on est tombé sur le pire jeu sur lequel commencer. Moi je me suis dit putain ça a l'air mignon et tout avec quand j'ai vu la démo avec vous là. J'ai dit bon ça va, ça a l'air d'être sympa quoi. C'est sympa mon cul oui. Putain. Headshot. Tiens, écoute, ça va, t'as vu ta gueule là. Tiens, tu l'as vu la marque de ma chaussure là? Dans ta face là? Attends, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ah, on peut pas, ah oui. Trop simple. Bon, moi j'ai une épée. Mais comment je monte là? Bah, je peux pas. Oh non, mais un archer. J'en ai marre, hein. Je voulais. Mais ça me fait chier parce qu'il faudrait qu'on arrive au moins au premier boss. Pour pouvoir se dire bon, ça va, c'est bien, ça va bien, arrive au deuxième monde, quelque chose quoi. Mais là, je me fais terraformule trou de balle quoi. Mais je peux même pas ramasser les cœurs. Reste là toi. On va descendre, on va descendre. On va descendre, on va se tracer vite là. Et on va mourir. Allez, on peut le faire. Faut se calmer, faut se calmer, on peut le faire. Et quand je tourne le dos, ces enculés là, ils me foncent dessus. Hein. Viens là. Mais de... Il a la charge du guerrier de WoW quoi. Allez, casse-toi, on descend. Il y avait pas quelque chose là? Ah, il y a des bottes. On récupère les bottes. Ça, c'est une bonne chose. Ça. Je peux pas casser les murs. Parce que voilà quoi. Donc lui. Oh non! Mais putain, mais les archers! Mais vous avez fumé en faisant ces archers! Comment tu sors de ce vortex là? Quelqu'un peut m'expliquer? Putain mais creux. Mais putain vous êtes des porcelets. Et vous êtes des tas de morts. Cassez-vous. Oui mais je peux pas avoir les cœurs. C'est de la baise. Hein. C'est vraiment de la baise hein, ce jeu. Ce jeu c'est de la baise. Je tiens à le dire. Je suis pas content. Donnez-moi ces bottes de merde là. Voilà. Mais non. Vous savez quoi, tuez-moi, parce que là, sinon, je pense que voilà, de toute façon, ça va prendre longtemps, c'est fait. Putain. Allez, on va reprendre depuis le début. On va faire ça proprement, correctement. On a été un peu loin. On a réussi à avancer un peu. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Essayer de, j'aimerais bien voir le boss au moins, parce que je suppose qu'il y a des boss, parce que ça a l'air d'être un jeu de plateforme classique là, d'arcade. Ça pour le finir, putain, ceux qui finissaient ces jeux à l'époque, croyez-moi, vous pouvez les appeler papa quoi. Eh bien, attends. Voilà, au moins, il n'y a pas d'archer là. C'est un peu plus jouable. Donne-moi ça. Et j'ai pris un coup. Vous êtes sérieux? Oh, les sacs d'or, hein, fuck it. Hein. Allez, sors de là. Je sais que t'es là, Philippe! Ah oui, il donne des cœurs. Voilà, le bouclier. On va se stuffer un petit peu. Ça c'est trop fort. Ça, c'est vraiment la meilleure arme. On descend surtout pas. C'est un archer vénère. Ah, ça, c'est une base. Je sais pas pourquoi je la ramasse. Hein. Je sais pas à quoi elle sert. On va essayer de prendre cette fois-ci le truc sans se foirer. Voilà. On prend pas l'épée.
par en dessous, ça m'a l'air plus safe. Mais, de... mais putain, mais ça raton laveur ce truc là. Vous avez vu la vie qui... Non. J'ai ramassé la main de merde. Ça peut pas soigner ça? J'essaye les touches, hein. Je suis désolé, mais merde, ça c'est la pause. J'ai trouvé la pause. Pas un truc pour utiliser les objets là? Non? De toute façon, tu me diras, il n'y a pas 50 000 boutons, mais apparemment non. On trace, hein. Faut pas que je ramasse ça. L'arc c'était cool hein, quand même. Ah oui mais on peut pas péter les trucs avec l'arc. Bon l'arc c'est cool, on a quand même une bonne cadence de tir et des bons dégâts. Reste à faire attention à ce qu'on fait quoi. Tiens dans ta gueule toi. Quoi? D'où il repop? Oh. Ouh un meilleur arc. Ah oui, sacrément meilleur même. Bon. Le boss! Putain de merde! Mais putain de merde! Bon, on a vu le boss. On a... Oh non, mais je repop là! Mais non, mais c'est de la merde! Ça, c'est de la merde! Ça, c'est. C'est de la merde en barquette. Comme dirait Jean-Pierre Coff. C'est du caca en boîte. Putain. Mais non mais oh, non mais calme-toi toi là. Le mec qui fait son play of the game là. Et salut, je suis plus là. J'ai plus de vie. Et comment ça se passe avec une arme au corps à corps? Mais j'ai les bottes là. Arrête. Merci. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là, hein, ça suffit. Hein. On a vu ce que c'était le jeu, hein. Je pense qu'on a déjà fait bien le tour. Hein. C'est un jeu de merde. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, allez, on va passer... Je pense que j'ai assez ragé, ça fait une demi-heure que je suis dessus là, je pense que c'est bon, ça suffit. Hein, on a vu à quoi il a correspondé. Bon du coup le jeu, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le jeu? Je rappelle qu'il est de 86 hein, quand même. Hein. Eh bien je pense que pour un jeu de 86... Ce jeu, il est juste vraiment hallucinant quand même. Vraiment. Les graphismes sont magnifiques, je trouve. La musique est sympa. Elle est vraiment elle est même pas mal, je dirais. Le gameplay, bon, il est simple, hein. Mais j'aime beaucoup les mécaniques de jeu qui te font que voilà, tu récupères des... C'est pas moi qui joue, hein, en fait. Je vous le dis, hein, c'est là, c'est le truc. Le jeu qui te... Voilà, avec la mécanique de ramasser des armes, des armures et tout. C'est vraiment cool. Le problème... Bon, je pense qu'on l'a bien compris, hein. C'est la difficulté. La difficulté, elle est juste... C'est débile. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile, débile. On se prend des torgnoles de l'espace-temps. On se fait vraiment éclater la gueule. Donc ça, c'est quand même un truc qui est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais s'il y a des gens qui sont un peu tryharders, qui aiment la difficulté, je pense que ouais, ça peut clairement plaire aux gens. Mais bon, faut quand même pas se... Regardez-moi. Regardez ce qu'il lui a mis. Le porc-épic quoi, le porc-épic il l'a défoncé. Et les archers, je pense que le pire c'est les archers. Les archers c'est n'importe quoi. C'est les dégâts des archers, c'est juste hallucinant. Donc on va passer à la note. Bon, les graphismes je pense que ouais ils sont vraiment au taquet. Niveau graphisme c'est génial, niveau musique c'est cool, niveau gameplay c'est pas mal. Mais vous savez, sur 100, je lui donnerais un bon... Un 68. Un bon 68. Parce qu'en fait, le problème c'est que le jeu est quand même... J'aurais mis un... Même plus normalement, si le jeu n'était pas aussi dur en fait. Si le jeu n'était pas aussi dur, ce serait génial en fait de s'amuser. Mais là... Bon, je suis pas un excellent joueur, hein, mais je suis pas non plus... je pense voilà, je pense que je vais démerder un minimum. Mais testez-le d'ailleurs, hein, testez-le. Hein, vous le trouvez sur émulateur très, très facilement. Hein, je joue sur émulateur moi aussi de toute façon.
tous les jeux que vous allez voir sur les petits les jeux sur les vieux jeux C'est Mystérieux sont sur émulateur, donc n'hésitez pas à les tester hein, sur ROM Station si vous voulez. ROM Station, vous allez avoir ce jeu là, donc Athéna 1986, hein, je vous le dis quand même, juste, voilà, si vous voulez le tester, avant de donner peut-être votre avis dessus. Donc ouais, je pense que voilà. Je pense que ça mérite pas plus. Un 60. Allez, 60. Non, je reste 68. Allez, 68. 68 pour le jeu. 68 pour le jeu. Voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 68% pour le jeu. Je pense que le gros point fort du jeu, outre voilà, son côté graphique et tout, c'est vraiment ses mécaniques de jeu. Ses mécaniques de jeu sont vraiment super. C'est vraiment excellent. J'adore. Comme quoi, hein, comme je parlais justement de Volgar The Viking, il n'a pas inventé. Hein. C'est vraiment des mécaniques qui existaient il y a très, 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 très longtemps. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à vous aussi dire ce que vous en pensez du jeu, donner votre note. Je le rappelle, c'est important, comme ça on fera le podium des gens, des abonnés, le podium des jeux des abonnés et le podium de Goldor. Et on choisira le meilleur jeu et le plus mauvais jeu. Je pense que Lucie, quand même, celui-ci, on va pas se mentir, figure parmi des bons jeux. C'est un bon jeu, on va pas se mentir. C'est juste la difficulté qui casse tout, mais sinon le jeu est plutôt bon. C'est dommage qu'on ait pas pu aller plus loin, mais bon, c'est bon. J'ai pas envie de perdre le peu de QI qui me reste. Hein. Ma santé mentale est déjà bien basse, donc... On va garder ce qui me reste. Voilà, sur ce, c'était le premier épisode des vieux jeux, c'est mystérieux. Je vous invite à en débattre dans les commentaires de manière saine et de manière calme, évidemment. Ne vous foutez pas sur la tronche, ce serait dommage. Et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode de cette série-là, des RPG, des petits Play for Fun. Enfin bref, vous avez l'habitude. Sur ce, les amis, gros bisous, portez-vous bien et ciao ciao.